Aujourd'hui, dans le monde, un tiers de la nourriture produite est jetée. Et 15% de ce tiers est jeté au niveau des commerçants, des restaurateurs. Alors, Lucie Bache et son équipe de Too Good To Go ont créé une plateforme pour répondre à ce problème et lutter contre le gaspillage alimentaire. On va en parler tout de suite avec elle. Too Good To Go, c'est une application mobile qui permet à tout le monde de s'engager contre le gaspillage alimentaire. Donc en fait, on connecte les commerçants de quartier qui ont des invendus en fin de journée et toi et moi pour passer récupérer ces invendus à la fin de la journée. En fait, tu es géolocalisé sur l'application, tu vois les commerçants partenaires autour de toi, tu payes un tout petit prix sur l'application, entre 2 et 5 euros, et tu te déplaces le soir à la fermeture du commerce pour récupérer les invendus. Et donc en général, tu récupères entre 3 et 5 fois le prix que tu as payé sur l'application. Aujourd'hui, un tiers de ce qu'on produit en termes de nourriture, ça part à la poubelle. Et moi, je me suis dit qu'on était tous très sensibles, mais qu'on ne savait pas vraiment quoi faire. Et l'idée, c'était de permettre à chacun de s'engager concrètement contre le gaspillage en allant tout simplement récupérer un repas qui serait parti à la poubelle et de se régaler avec. Donc vraiment construire une solution gagnant-gagnant pour les commerçants et pour les utilisateurs. Il y a encore beaucoup à faire de toute façon. On veut vraiment pouvoir être présent sur l'ensemble du territoire en France, mais aussi ailleurs, et que tous les commerçants qui le souhaitent puissent s'engager contre le gaspillage alimentaire. Et pourquoi pas après remonter la chaîne de production du gaspillage alimentaire. Il y en a chez les commerçants, mais il y en a aussi chez les producteurs, que ce soit agricole ou industriel. Donc on veut pouvoir remonter au fur et à mesure la chaîne pour pouvoir récupérer un maximum de nourriture. Aujourd'hui, on est présent dans 6 pays en Europe. On a plus d'1 500 000 personnes qui ont téléchargé l'application et on a annoncé la semaine dernière qu'on avait sauvé désormais plus d'1 000 000 de repas. Aujourd'hui, on a plus de 2 500 commerçants partenaires sur l'application. Donc tout se développe très vite, on a plus de 20% de croissance mensuelle. Et donc l'idée, c'est de continuer comme ça et de sauver un maximum de repas.